Avenue Jacques Georgin, à deux pas de la RTBF. Ce nom ne vous dit sans doute plus grand-chose. C'était un enseignant de 40 ans qui a été assassiné par un commando du Vlaams Militanten Orde, le VMO. Parmi les agresseurs, un futur député Vlaams Blok. 1970, militant FDF, Jacques Georgin, père de deux enfants, colle des affiches électorales. Avec trois compagnons, il est violemment frappé à coups de pied de table. Le prof meurt d'une crise cardiaque. Les agresseurs sont membres du VMO. Parmi eux, Roland van Walegem, ici avec De Winter. Arrêté, il fait 3 mois de préventive et est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour complicité de meurtre involontaire. Cela n'empêchera pas le Vlaams Blok, que du contraire, de le mettre en bonne place sur la liste électorale et de le faire élire à la Chambre à Bruxelles.